السلام عليكم، مرحبا مشاهدينا في فيديو جديد. إذا كنت أول مرة تشاهد فيها فيديوهاتنا فندعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد. لاعب أولمبيك ريو ريان شرقي، أود أن أذهب يوما ما لأرى كيف تبدو فيه مدينة بسكرة، بوابة الصحراء. نحن أقرب أكثر إلى عائلة أمي عكس عائلة والدي، ولهذا السبب جذورنا الجزائرية عميقة جدا. وفي خبر آخر، عملاق أوروبا يخطط التعاقد مع فارس شيبي. كشفت تقارير إعلامية أن نادي بايرن ميونخ الألماني وضع اللاعب الدولي الجزائري فارس شيبي ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لتعزيز صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة. وأوضحت ذات التقارير بأن إدارة النادي الألماني تتابع وضعية اللاعب عن كثب مع فريقه أينتراخت فرانكفورت، ويتواجد شيبي محل اهتمام أندية أخرى في البوندسليغا على غرار نادي بوروسيا دورتموند. جدير بالذكر أن شيبي انتقل إلى أينتراخت فرانكفورت خلال فترة التحويلات الصيفية الماضية قادما من نادي تولوز مقابل 16 مليون أورو. تشابي ألونسو يخطط للتعاقد مع مهاجم جزائري. كشفت تقارير إعلامية أن اللاعب صاحب الأصول الجزائرية إبراهيم مازا، صاحب 18 سنة والناشط في صفوف نادي هرتا برلين الألماني، مطلوب في العديد من الأندية الكبرى في البوندسليغا. وبحسب ذات التقارير فإن مدرب نادي بايرن ليفركوزن تشابي ألونسو معجب بإمكانيات المهاجم الجزائري الشاب، ويقدم مازا مستويات متميزة رفقة نادي هرتا برلين الناشط في الدرجة الثانية الألمانية. وكان مازا قد شارك مؤخرا مع المنتخب الألماني للشباب بعد المستوى الجيد الذي قدمه مؤخرا رفقة هرتا برلين. ويتواجد مازا ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لتعزيز صفوف المنتخب الوطني الجزائري خلال الفترة المقبلة، إذ تسعى الفاف لضمه للمنتخب الوطني مستقبلا. Le mois de Ramadan se passe super bien. Alhamdulillah, tout se passe bien. Tout le monde nous met dans de bonnes conditions pour que ça se passe bien. Déjà, on est en Algérie, donc forcément, ça se passe très très bien. Au niveau des entraînements, le coach, il essaye de bien nous programmer ça pour qu'on sente bien l'entraînement. Donc franchement, alhamdulillah, ça se passe très bien. On se nourrit bien, on récupère bien parce que c'est très important. Des fois, on peut avoir un peu de fatigue aux entraînements ou même en match. Du coup, la récupération, c'est super important. Mais sinon, alhamdulillah, ça se passe. La journée, je la gère, on va dire que le matin, je me lève vers 11h. Je me lève vers 11h. Je reste dans mon lit, je fais la prière. Je lis un peu le Coran, je m'instruis du coup pendant ce mois parce que ce mois il est super important pour nous les musulmans. Du coup j'essaie vraiment de beaucoup apprendre, beaucoup apprendre. Après je me repose, je regarde la télé, je regarde ma série jusqu'à que le temps il arrive à la coupure et voilà. Quelqu'un de très calme, je suis quelqu'un de très, je vais pas dire patient, mais qui sait, on va dire, gérer ses émotions. Donc en plus avec ce mois de Ramadan, j'essaye de pas m'énerver. Donc non, franchement, déjà ici j'ai pas de quoi m'énerver. Donc ici ça m'apporte que de la bonne humeur, que de la joie. Donc non, franchement, je m'énerve vraiment pas, je suis très calme. Et ouais, j'aime beaucoup manger, mais j'essaye de faire attention parce que c'est là où tu peux prendre beaucoup de poids quand tu ne manges pas toute la journée et que tu essayes de manger beaucoup jusqu'à la fin où tu peux manger. Donc non, j'essaye d'avoir le juste milieu. Ouais. Mon plat préféré, c'est lasagne au saumon, couscous, j'aime beaucoup, après frites omelettes. J'aime beaucoup aussi, mais ça c'est, j'essaye de faire de temps en temps, histoire de ne pas prendre du poids, mais on va dire que c'est mes petits repas plaisir.
Au niveau des jeux de cartes ou des dominos, moi je suis pas trop domino parce que je sais pas trop jouer à jeu, mais je vois beaucoup Touga, Yamura, Zorgan le soir jouer, du coup des fois je les regarde. Après moi je suis plus ping-pong avec Ryan Aitnori, Shaibi, etc. Donc les autres ils jouent au domino et nous juste à côté on joue au ping-pong. Ou, ouais, des fois s'il y a des jeux de cartes on essaie de jouer aussi. Ping-pong, c'est moi le champion. Ryan, il peut dire que qu'il est forme si je le tape tout le temps. C'est le champion de crack. Moi, je suis le meilleur au ping-pong. Après, Nabil, il va essayer de dire que c'est le meilleur, mais il est claqué, Nabil. Il croit qu'il est fort, mais c'est faux. Si tu veux, tu pourras filmer un match de moi contre Nabil. Si tu veux, je vais le taper. Et ouais, je suis le meilleur au ping-pong. Après, domino et tout, c'est pas trop mon truc. Ouais, Nabil, si tu veux, ping-pong là-haut, tout le monde présent, et je te tape. Voilà, la jeunesse contre le présent. On va voir. Ouais, Nabil Bentaleb. Ouais, Nabil, franchement, c'est le mec, et Rami aussi, Ben Sebaini. Mais je trouve que, je sais pas si c'est dû à ce mois de Ramadan ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'ils sont pas énervés, ils essayent de se calmer. Des fois quand ils peuvent s'énerver, ils essayent d'être calmes. Donc pour moi, c'est les deux qui s'énervent le plus, mais là ça va, là, ils sont pas trop énervés durant ce stage. Ouais, le plus sage, moi je dirais Jawen, hein, tu vois. Jawen, très sage, très calme, très posé, quand il parle très calme, très posé. Il apporte que de la bonne humeur, que du calme. Bah, moi je suis calme, des fois je peux être fou. Je peux être immature des fois, mais quand il faut je suis mature, quand il faut je suis immature. Mais non, Jawen, et aussi, ouais, il y a beaucoup de monde très calme. Bah, déjà quand je viens à chaque fois en sélection, je prends beaucoup de plaisir parce qu'on sent que c'est une famille ici. Tout le monde sait ce qu'on veut faire, tout le monde sait où on veut aller. Du coup, il y a toujours cet aspect de famille. Il y en a beaucoup qui le répètent, la famille, c'est... Notre groupe, il est super important. Du coup, on s'entraide chaque jour. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, on va être là pour lui et vice-versa. Donc, la famille dans ce groupe, c'est super important. Donc voilà, faut vraiment s'aider les uns et les autres. Et c'est là, c'est avec ça qu'on va réussir de grandes choses. Inch'Allah. Supporter, rester très calme, c'est très important durant ce mois de Ramadan, apporter que de la joie, que de la bonne humeur, parce que c'est un mois sacré dans notre religion. Du coup, apporter que du bonheur, rester calme, ça sert à rien de s'énerver. Même en dehors de ce mois-là, ça sert à rien. Sur la conduite, même si vous êtes à 20 minutes en retard sur le fitr, bah, c'est pas grave, vous pouvez couper dans la voiture. Mais voilà, rester calme, posé, c'est ce qu'un musulman doit être. Donc, je vous souhaite d'être comme ça.